Ah, j'ai envie de dire, c'est parti les amis, hello tout le monde, c'est Snake, comment allez-vous? Moi ça va très bien, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. On se retrouve pour une, ta gueule, une vidéo détente sur Skyrim. Oh oui, mon dieu, Snake a fait une vidéo détente sur Skyrim. Et oui les amis, j'ai enfin décidé de faire une petite vidéo détente sur Skyrim. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu au programme? Eh ben, l'improvisation totale est prévue au programme. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je voulais vous proposer une petite vidéo détente sur ce joli jeu qui se nomme Skyrim avec ENB, que j'apprécie, qui fait tourner à 60 images par seconde constant. J'ai pas vraiment de gros soucis, donc il s'agit... Allez, Snake, crache le morceau, c'est lequel? Tout doux, l'ami. Il s'agit donc de le Real Vision, ou la vision réelle. En gros, ça rajoute des joueurs... Ben oui, c'est vrai, on peut jouer en ligne maintenant. Ça rajoute des couleurs fantasy, on va dire. Donc, c'est des jolies couleurs de la vraie vie, d'après ce qui est précisé dans le titre. Donc, qui dit des couleurs de la vraie vie, dit un jeu magnifique. Et aujourd'hui, on se retrouve pour... l'improvisation la plus totale, eh oui, parce que on aime bien nous faire des improvisations les plus totales. Et je suis en train de me rendre compte des petits mods que j'ai installés. Je voulais regarder des choses et... Ma foi, il y a des armures qui sortent, hein. Bon, c'est classe, hein. On verra ça, ça. On verra ça, ça, mais bien sûr, on verra ça plus tard. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous balader et nous allons voir sur quoi nous allons tomber. Tu es d'accord, toi? Ah oui, et je suis avec l'armure de l'Inquisiteur. Une armure anti-sorcière. Une armure assez sympathique, j'ai envie de dire. Par contre, les amis, je tiens à prévenir quelque chose, c'est que je suis obligé, et je me sens obligé surtout, oui, de couper entre des temps de chargement parce que j'ai mon jeu qui plante. Comme je joue en fenêtré pour capturer avec mon logiciel de capture. Oh non, t'es sérieux? Oui. Donc je suis obligé de faire quelques petites coupures. Parce que sinon ça plante et j'aimerais pas que ma voix parle sans aucun décor. Et de toute façon je reprends à chaque fois. Pour ça il n'y a pas de petits soucis. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons ouvrir la carte et nous allons théma un petit peu... Non. Nous allons théma un petit peu ce que nous pouvons faire. Donc je vais recommencer le jeu pour la 60 millionième de fois. Oui, il est très précis le Snake. On va aller prendre la corne. Vous savez quoi? On va prendre la corne. On va aller à la caverne pour prendre la corne. La corne qui est pour les destinée aux Grisbarbes. Donc, qu'est-ce que j'ai un petit peu à vous raconter au niveau des modes? Donc, le Real Vision, j'ai installé une vingtaine de modes qui correspondent avec le Real Vision pour avoir un résultat assez magnifique. Parce que tu peux constater qu'entre... Ah, ça montre pas la différence, là, c'est magnifique. Voilà, regardez. Le jeu normal, hein, le jeu de Berk est avec le ENB. De toute façon, les ENB sont censés rendre mieux les jeux. Et moi, je dis perfecto. J'ai... C'est ça. Ok, mais ça... Tiens. Et en fait, j'ai juste à dire que j'ai hâte de voir The Witcher 3, hein, parce que graphiquement, à ce qui paraît, ça va claquer sa race. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de savoir des choses sur mon Skyrim. Si vous avez besoin de savoir une petite information sur un mode que j'utilise. Il n'y a pas de soucis. Oh merde, t'es sérieux? Même en étant accroupi, je peux rater ma cible. Non, là, par contre... Slash! Alors là, les amis, c'est pour ceux qui se demandent... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des monstres qui sont pas dans le jeu de base. Bah, en fait, j'ai rajouté un mode, en fait, qui fait qu'il y a... Attendez, ils sont déjà morts. 100 nouvelles créatures, hein, qui viennent de la confrérie noire. Donc, un site de mode que je vous conseille si vous voulez installer des mods, mais vous ne savez pas quoi. Parce que c'est toujours bien de conseiller à ses abonnés des mods. Hein. Ah, putain, il a esquivé. Viens là, viens là, viens là, viens là. Ouah, ça one shot pas, t'es sérieux? Eh mec, j'ai censé avoir un arc draconique, je ne sais pas quoi. Allez, c'est parti! Julien, Julien. Oh oui, on aime foutre des coups. Allez, c'est parti, c'est la décidence la plus totale. Flax! Hus! Bon, pourquoi il y a des petits coups de lag, hein? Je sais pas pourquoi, hein? C'est la vie des amis, hein? C'est le logiciel qui veut ça. Parce que sinon ça capture pas. Hein? Si! Par contre, il y a un truc qui me fait rire, c'est que tu attaques par devant, mais il arrive quand même à tuer par derrière. Ouais, faut me demander, faut se poser des questions des fois.
Donc j'utilise un petit mode assez sympathique pour les enchantements, un réel enchanting overhaul il me semble. En fait c'est... Oh, c'est... Wow, wow, wow. What the fuck, dude? What the fuck? What the fuck? On va faire une sauvegarde rapide. Mais qui est donc ce personnage qui m'envoie ces conneries à la gueule? Alors attendez, on va faire quelque chose. Et alors, soin rapide. C'est quoi ces conneries? Sérieux? T'es qui toi? Un malin bras. Wow, il fait mal. En bras. What? C'est la décidence la plus totale, les amis. Alors, on va faire quelque chose. Soin rapide. Hop là, sauvegarde rapide. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens que rencontrer cette personne ne va pas être de toute beauté. Tu vois ce que je veux dire? Avoir fait la rencontre de cette personne signifie ma mort, en quelque sorte. Parce que, vu à la vitesse où cette... Oh, mais faut pas déconner. Je suis quoi début de... Oh, oh, oh. La chat caméra. Sauvegarde rapide. Tac 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 tac. Oh, casse-toi. Bulia, 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 bulia. Voilà, recule, recule, recule. Tu m'attaques pas. Tu me respectes totalement. Tu soy. Oh là 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 là, ils ont voulu m'attaquer. Biographie, on va la prendre. Moi j'aime bien lire la chose. Lol. C'est bon, hein. Ah là là. Dissidence. Alors, on va faire un petit peu d'exploration. Donc, c'est une petite vidéo détente assez courte. J'arrêterai après qu'on ait trouvé l'accord. Enfin, vous savez tous qu'il n'y a pas vraiment. Mais bon, c'est pour faire un petit peu d'exploration. Une petite vidéo détente. Après, quand on sera de retour à Rivebra, la vidéo s'arrêtera ici. Et Cyber, si tu regardes cette vidéo, je te dis Rivebra. Lui seul peut comprendre, c'est un délire entre amis. Oh, rayon de soleil me nique la vue. Pardon, me trouble la vue. C'est abusé. Oh, 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 oh. That is not good. Ça va, ça va. Oh putain, ah là là. Toi, tu vas faire une jolie âme. Ah, attendez. Passe, 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 passe. Donc oui, je suis un fan de... comment ça s'appelle ce joli manga de SAO. Donc si vous me voyez avec des trucs de SAO, c'est normal. Voilà. Hop là. Reviens. Reviens, saleté de bête. Affronte la mort, digne un homme! Mais putain, mais elle va où? Reviens! 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 Salope. Donc il n'y a pas eu le bruitage, c'est normal. Ça a un petit peu bugué. Oui, ça a un peu bugué, j'avoue. Ça a un petit peu bugué, est-ce que c'est normal? Pourtant, ça va enchanter. Ah, voilà. L'enchantement il est revenu. Voilà. Et quand l'enchantement revient, le bruit revient avec. Sauf que c'était un petit peu bug. Qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Merde, attendez. Attendez. Viens là, toi. What? Oh! Bah alors, mon loulou, on a choisi le mauvais moment pour se montrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Un thérium. Ok, c'était aucune utilité de le tuer. J'ai su que j'avais un petit peu envie, on va dire. Ouais, parce que dans Skyrim, si tu tues personne, c'est que t'es pas un homme ou là. J'ai eu aucune logique dans ma parole, excusez-moi. Ça vient rapide. What? Mais la flèche n'est pas partie. Wow, il y a eu un bug, ça fait double attaque. Monte pas, troll de glace. Et on va l'achever. Oh, la violence. Ça c'est de la violence, les amis, à jamais refaire dans la vraie vie, hein. Quand on ne tire pas sur ses amis ou quand on chasse, on met pas sur sa petite flèche, hein. À jamais refaire dans la vraie vie, des enfants, c'est très important, hein. Que ce
soit pour votre éducation ou même pour votre entourage. Les pauvres, ils vont avoir mal si vous faites ça. Hein, bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part fake? Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter un petit peu de drôle? Donc, il y a Bungie qui a réalisé un stream récemment, un petit stream sympatoche sur la faction Osiris, dans la communauté, parmi ma communauté d'abonnés, qui joue à la Xbox One? Surtout, j'aimerais savoir et qui a Destiny. Bah, ce serait sympa de se faire des parties entre abonnés. J'aimerais bien jouer avec vous. Ça serait sympathique. Parce qu'il faut pas me considérer comme un youtubeur. Vous pouvez me considérer comme votre ami. On peut bien s'entendre si on peut créer des liens d'amitié entre abonnés. C'est toujours sympa la communication entre les abonnés et le youtubeur. C'est un moyen d'approche. Enfin, pas pour faire des choses. Enfin, on s'est compris, hein, un moyen d'approche pour la communication et tout. Moi, ça pourrait être sympa de vous découvrir un petit peu. Et plus on est de fou, plus on rigole, plus on est de fou, hein. Plus on est de fou, plus on rigole. Je savais plus dans quel sens fallait la dire. Oh merde. Par contre, on n'a pas détecté. Ah ah. Tu veux te battre? Très bien. Qui la soit ainsi. Sauvegarde rapide. Bulia. Pardon si je dis. Excusez-moi si je dis Bulia, c'est normal. Je regarde ce pied de Bob Lennon. Et quand t'écoutes Bob Lennon, tu peux pas contrôler tes émotions. Donc je suis désolé. Ne me criez pas plagiat, c'est un réflexe. C'est juste que je joue beaucoup à Skyrim en mode réflexe lélonien. Pardon, je m'en excuse. Ça se reproduira plus. Hop là. Donc là-bas, il y a une crypte du dragon. On va pas le faire là. Oula. Dans Skyrim, il faut être malin. Surtout quand il y a du parcours. Hein. Parcours du combattant, les amis. Il faut être toujours malin. C'est joli. Si joli. Je sens que j'étais suivi. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une maguette d'abord. Putain, mais ça fait mal cette merde. On passe en paix. Wouah, comme ça vole par contre. C'est bon. Ah, ça c'est joli par contre, les amis. Ça par contre, je vous l'avouerai que c'est. Oh, mes yeux! Aïe aïe aïe! Oh punaise! Oh, je crois que je viens de m'éclater la rétine, c'est des amis là. Putain. J'aimerais pas me retrouver en bas. Oh là là, c'est trop joli. C'est trop joli. Franchement, là, il n'y a rien à dire. C'est trop joli. Oh non, pas une vie vraie père, pitié. Alors, si je peux la tuer à l'arc, ce serait sympa. Pas qu'elle m'énerve et qu'elle me fasse. Oh, bah tiens. Bah voilà. Ça s'est calmé en 2 secondes. On va ranger notre épée. Est-ce qu'on est loin, dis donc? J'ai pas envie que la vidéo dure 60 ans. Hein. Oh là 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 là. Donc, comme les amis, j'ai pas envie que ça dure longtemps. Je vais faire une petite ellipse et je reviens devant la petite grotte, mon frère. Oh oh. Et d'abord. Oh mon dieu! Des abominations! Des abominations, pas des abominations! Oh là 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 là! USB! Nul! Oh, c'est horrible! A tout de suite les amis. Et c'est après quelques minutes de run que nous retrouvons sur un paysage époustouflant, parce que ça me choque hein, tout le temps hein, quand tu vois les graphismes que tu peux prendre. Ouh, rechercher Bambi. Donc à tout de suite les amis à l'intérieur. Donc les amis, on se retrouve à l'intérieur de cette jolie grotte. On va essayer de pas se faire trop capter quand même. J'aurais un peu con de mourir déjà. Et nous allons affaire à des mages que nous allons attaquer avec une fourberie extraordinaire. Mort. Mort. Je vais voir s'il y a un petit peu pour éviter de faire un peu du mal. Merdouille. On va faire ça. Aïe. Viens là, c'est un homme. Salope. Viens là. Allez. Allez. Montre-moi que t'es une femme. Mais elle est sérieuse. Elle s'est remis de la vie. Pute! Elle est sérieuse?
But Roman is seriously serious. Wow, wow, wow. On va se calmer, hein. En fait, elle me fait tarpe mal, c'est ça le problème. Et qu'elle est avec d'autres collègues, ça, en plus, c'est ça notre problème, là-haut. Là, c'est vraiment... Oh, putain, mais... Franchement, là, c'est vraiment un gros problème. Donc là, déjà, toi, t'es mort. Oh, 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 oh. Non, bah. J'espère que je vais pas réapparaître en mourant. S'il vous plaît, je veux pas mourir. Mais, bah. S'il vous plaît, je ne voudrais pas mourir. Mais, bah. Ah, mais j'ai des potions de vie, je suis con. Hey, bitch. Where are you? I'm coming for you. Toi! T'es une salope, t'as voulu me faire mal, hein? Mais. Putain! De salope! De merde! Oh! Pas possible, ça, hein? Fuh! Oreille d'elfe. Moi, je peux prendre. Je t'arrache l'oreille! Victor Hugo. Alors, torche sympathique qui t'éclaire un petit peu la zone quand tu n'y vois rien. Tiens, c'est par là. Ça vient rapide. On va reprendre notre arc. Notre arc préféré. Oula. C'est qui a eu la guerre ici, les amis? Oh oh. Wow, 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 wow. Tout doux. Mademoiselle. Merde. Je me suis fait capter. Ça va. Crève. Ah merde, 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 merde. C'est une maître invocatrice. Ah là là. Oh là là. Oh là là. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, gamin. Tout doux, gamin, j'ai dit. J'ai dit tout doux. Ton âme est mienne. Aïe, aïe, aïe. Ça me garde rapide. Oh, t'es en culotte. Et en plus tu oses me dire que t'as de la protection en étant en culotte. T'as une armure en peau. T'es de fin. Sans l'épée. Ton âme est mienne. Bitches. Oh. Qu'est-ce que t'as de beau? Un livre de sort, flamme. Ok. Mais j'ai déjà ceci, un livre de sort, c'est pas trop grave. Oh, mais il y a des drogues, des fois ils font peur. Livre de sort, corps de pierre. Oh, ça, ça peut être intéressant encore depuis. J'avais vu un drogueur en armure. Enfin... Oh, toi, par contre, dis-moi. Armure de sorcier, ok. Une des armures stylées, j'ai envie de dire. Petit rototo. On va passer à l'arc, c'est jamais. Ah, par contre, faut que je recharge mon arc. Attendez. Ça y est. Toi, oui, toi, voilà, charge. Gemme noire. Voilà. Oula. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, pas grave, ça vient rapide. Ouh, qui es-tu? Who are you? You are so die. Tu es qui? T'es mort. Bon, bah t'es mort toi aussi. C'est la dissidence, la puissance de l'arme. Ne peut pas vaincre la puissance de l'homme. L'homme est complètement différent de quelque chose de vivant. Quoi? Qu'est-ce qu'il fallait comprendre à cette phrase? Rien du tout. Un drogue céleste, merde. Dors le drogue, dors, dors, dors. C'est bien, c'est bien. Flèche des bonnites. Donc pour ceux qui se demandent c'est quoi cet arc, c'est le dark, c'est le dark, ouais, c'est l'arc de dragon, le dark en acier draconique. C'est un arc que vous avez dans le mode Immersive Weapon. Et moi je vous conseille d'installer avec Immersive Weapon, Immersive Armor qui vous rajoute des armures. En plus que les weapons ça vous rajoute des armes, donc c'est tout à fait pas mal je trouve. Par contre par où dois-je aller? D'où viens, où vais-je, dans quel état ai-je? Ah! Il y avait un pont. Je ne l'ai point vu. Bien dommage. Mais bon, on peut rien y faire. Je suis un aveugle total.
Malheureusement, la vie est injuste. Oh, si, c'est très grand, là. Je voudrais un autographe, s'il vous plaît, c'est très très grand, là. Oulé, c'est trop grand, c'est trop grand. Mon PC, il meurt, il fait trop de grande attitude. Ah oui, là, mon PC, il est en train de guac, là. C'est le guac total. Oh, merde. Toi, tu prends pas les dégâts, toi, ce que je vois. Allez, sors l'épée. Mais qu'il est con, lui. Allez. Allez, je t'attends. Quoi? Quoi, il est déjà vide? Oh, mais il est sérieux? C'est quoi cette épée de... C'était quoi cette épée de fragile, sérieux? La truc, elle se vide à une vitesse abusée. Oh. L'étoile noire. Ah, l'étoile noire, elle est remplie. Tiens, on va mettre l'étoile noire. Tiens, ça va être drôle. Oh, mon collègue. Ça brûle ici. Ah, j'oublie des fois que un c'est l'arc et deux c'est l'épée. Allez. Il y a des ennemis, non? Bon. Il faut que j'aille où et il faut que je passe comment en fait? À mon avis, il faut que j'aille. Il faut que j'aille ici. Ça fait mal! Je vais prendre un coup de feu dans l'anus. Oh merde. Merde. Épée qui a fait 0 de dégâts. Un coup d'épée. Je suis sûr avec. Là, c'est bon signe, j'ai envie de dire les amis. Si vous voulez que je fasse un petit tuto comment réinstaller le, enfin installer le Real Vision, y a pas de souci. Hein. Je peux vous faire un petit tuto, c'est vous qui le décidez. Oh, dodo. Drogue forcée. La drogue, c'est forcer les amis à faire des actes improvisés. Oh oh, salut. Salut, je dois augmenter mes capacités de l'arc. Je vais te laisser tuer. Merci. T'es très gentil de ta part. Alors, si on descend de là, qu'on arrive là, je vais juste faire une petite vérification au niveau de ma direction. Je suis venu d'ici, logiquement, donc. Par là que je dois repartir. Nice, les amis, nice. What? Oh, pas si nice que ça, en fait. Esquive. Oh. Qu'est-ce que c'est ici? En fait, j'ai tellement oublié le jeu, les amis, que je me souviens de rien du tout. C'est complètement épique. Épique, j'ai envie de dire. Alors. Ça va être tout en bas, à mon avis. Je fais que ce motard. Oh. Ah, tiens, prends ça. Il y en a de m'affronter. En duel équitable, bien sûr. Soyons équitables. Tiens. Vous n'avez pas le droit de dormir, monsieur. Interdit par la loi. Vous n'avez pas le droit de venir vers moi, c'est tout à fait interdit. Ah merde. Ouais, je peux pas faire des mouvements rapides. Hold. Tiens, tiens. On va aller en bas. Ah. Y a-t-il des... Oh, par contre, il y a un mot de puissance. La musique. Oh, oh. Hey. Bon, perdons pas de temps. Alors. Ah, moi depuis ça, décliné, corps éthéré. C'est pas l'expulsion d'une arme par... Bould. Non, Bould, c'est le déplacement instantané, l'impulsion. Bould Nakast. Ou Bould Nakes, je ne sais pas.
fait au pif, ça se fait au pif, ça se fait au pif, j'ai envie de dire. Hop là. Oh, oh, attendez. Potion de magie, je prends. Potion de soins légère, filtre de l'invocateur, ça je prends aussi, j'ai dit. Malin, où allons-nous maintenant? Il va falloir remonter, j'en suis sûr, les amis, j'en suis sûr. On va devoir remonter. Ben remontons, hein. Remontons, les amis. Là-bas, ça lag parce qu'il y a du feu. Ça, c'est pas bon si ça lag. En fait, ça doit mener où? Où est-ce que je suis censé aller? Aïe. Où est-ce que je dois aller pour finir le niveau? Je dois vous avouer en fait qu'il y avait un pont que je suis même pas allé le voir. Oh putain, c'était là depuis le début, tu te fous de ma gueule. Il me faut des âmes, il me faut des âmes fraîches. Petit-you. Alors si je me rappelle bien, faut prendre le sort d'impulsion là. Ok, ok, impulsion, impulsion, impulsion. Michael. Aïe. Je me suis fracassé le crâne. Alors attendez. On va attendre une heure, au moins mon cri se recharge. Oh, Bould. Ha ha, trop fort l'animal. Bon, c'est juste qu'on l'a fait depuis longtemps, ça, donc normalement ça devrait être bon. Normalement. Non, l'arc j'ai dit. L'arc c'est là, c'est... Oh putain. Oh merde. Ça c'est du Mario les amis. Oh 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 oh. Aïe 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 aïe. Oh, araignée. Pouf. Morte. Morte. Hus. Ici. Oh merde. Link. Araignée des draps, tu te fous de ma gueule? Oh là là, oh là 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 là. Pas d'empoisonnement, pas d'empoisonnement, s'il vous plaît. Oh mon dieu, c'est moche. Mais qu'est-ce que c'est moche, c'est quoi ça? Je voyais pas comme ça l'araignée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça regarde rapide. What? Ah. Oh. C'est moche. Mais merci pour le cœur des draps, mais c'est moche. Merde, mec. Sérieux quoi? Nous sommes arrivés, les amis. Bon, pontin, tiens, pontin, ton pontin, pontin, crin, pontin. C'est du gamin. Oh, un ami, il faut prendre la chambre, arrive, bouée, tabernec. Eh ouais, c'est ça la tristesse, les amis. Je sais, je sais. Snake, c'est par en bas. Oui, je sais, mes amis. Ouh. L'argent. C'est pour moi aussi. Ouh, augmente votre santé de 20 points. Je prends, je prends. Je prends, je prends, je prends.
Voilà, voilà, ben nous allons nous laisser ici, les amis, pour la vidéo de Skyrim, en fait. Hein, en fait, on va se laisser ici, on va s'abandonner comme des amis bien disciplinés. Hein. On va juste essayer d'atteindre la sortie, hein, les amis. Donc voilà. Ça me rappelle moi le matin. Oh putain, n'importe quoi, les amis. On va fouiller juste ce petit coffre. Hein. En espérant que ça soit joli, joli, joli. Hein. Voyez-vous, hein, dans la vie, ça doit être joli. Hein. Ah ouais, il est là. Bah oui, c'était lui, le guerrier drogue. Wouah! Boulinaga? Non, ça serait trop cheaté, ça. on va éviter tout ce qui est ça, hein, parce que sinon, ce serait... J'aurais pas de challenge, moi, j'ai envie de dire. J'aurais pas de challenge. Allez, nous allons sortir et... Nous allons nous dire adieu jusqu'à la prochaine vidéo. Et eh ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo détente sur Skyrim, oh là là c'est trop joli, vous aura plu, vous pouvez la liker, la partager, la mettre aux favoris, ça ne prend quelques secondes et quelques clics. Bien sûr les amis, je vous dis, les amis, mais oui les amis, il manque plus Fred. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo, je vous dis à tout le monde à la prochaine, peace et vive les jeux vidéo et les rayons de soleil UNB. Bye.